Tiens! Ça gueule encore. Mais je vais appeler les flics, ça peut plus continuer. Allô? Oui, bonjour. Je vous appelle parce que je viens d'entendre un hurlement de l'appartement de mes voisins. Et que c'est assez fréquent en fait, oui, ça fait plusieurs mois que ça dure. Et ça commence réellement à m'inquiéter, c'est des disputes très violentes. Alors si vous pouviez venir au 10 rue du président Wilson, deuxième étage. Oui, vous arrivez? Très bien, merci. Ta gueule, tu m'emmerdes! Maintenant, tu m'écoutes et tu arrêtes de refuser ce que je te demande. Arrête la merde! Promis, je t'écouterai après. Ça va pas se passer aussi facilement! Arrête! Arrête! Ouvrez! C'est la police! Tu fermes ta gueule, Elliot. Pour des disputes avec des cris. Est-ce qu'on peut rentrer? Ah oui. Désolée, c'est assez mal insonorisé ici. Mais allez-y, entrez. Pas de souci. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Désolé, on voulait pas déranger le voisinage. Comme ma copine a dit, c'est mal insonorisé ici. Vous tenez la joue? Votre joue est rouge. Quoi? C'est rien, il est tombé tout à l'heure. Oui, c'est ça, je suis tombé. Tu reviens là! Baissez d'un ton. Désolé, c'est sorti tout seul, en fait. C'est parce qu'on s'est un petit peu disputé tout à l'heure, donc... voilà. Oui. J'ai bien remarqué les rapports que vous avez avec votre compagne. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est réellement passé? Je sais plus. On s'est engueulé pour une connerie et j'ai pris une gifle. Voilà. Enfin une gifle. Rien d'important, hein, vous inquiétez pas. C'est la première fois? J'en doute. Bon, je vais vous dire la vérité, même si je pense que vous avez compris. Lamia est une fille sanguine. En général, elle est adorable, mais elle peut être très dure avec les autres, surtout avec moi. Ça fait un an qu'on vit dans cet appart, et à chaque fois, c'est la même chose. Je me mange une insulte ou une gifle pour une connerie. Genre la cuillère mal placée dans le lave-vaisselle, par exemple. Enfin bref. Désolé du dérangement, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Je peux pas vous laisser comme ça. Mon devoir est d'agir, monsieur. À partir de là, je vais m'entretenir avec mon collègue, ainsi que votre conjointe. Non, s'il vous plaît, vous inquiétez pas, franchement, ça va bien se passer. Sachez-le que vous avez le droit de porter plainte. J'ai rien fait, vous pouvez pas m'emmener comme ça. Attendez, mais lâchez-moi! Monsieur, on emmène votre compagne pour les violences que vous avez subies. Thank you.